direct et en public depuis Villers-sur-Tur. On accueille tous les événements du mois de novembre ici et on en tient un massif avec monsieur Gilbert Meny. Bonjour. Bonjour, Pascal. Qui est conservateur et président de l'association du musée Serret de Saint-Amarin, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Et alors, je crois qu'à Saint-Amarin, au musée Serret, décembre ne sera pas anodin, n'est-ce pas, Gilbert ? Exactement, là, le musée, on le connaît quand même largement. Et en mois de décembre, nous allons faire, comme d'habitude, une exposition temporaire qui va durer du 29-11 au 3 janvier et qui concerne Noël, d'une part, mais également, on reviendra sur les commémorations de la Deuxième Guerre mondiale avec plusieurs événements. D'accord. Donc on va mélanger un peu les festivités avec l'histoire, voilà, c'est ça ? Voilà, exactement. Hein ? Parce que nous ne voulons pas qu'on ne parle que de guerre, malheureusement, et ce qui s'est encore passé cette nuit, hein, on voit bien que c'est un sujet malheureusement, terrible. Oui. Donc nous allons mélanger les choses et on va faire un Noël, une exposition de Noël avec des cartes postales anciennes. Il y aura plus de 400 cartes postales anciennes. Nous avions déjà fait l'an dernier les crèches, n'est-ce pas ? Et cette année, donc, c'est consacré aux cartes postales et au Noël ancien. Donc, il y a aussi là, on mettra en valeur les décors anciens tels qu'on les avait dans le temps, c'est-à-dire les champignons en verre, les oiseaux, etc. Donc, voilà, pour cette partie-là. Et puis, nous enchaînerons, ou plutôt nous intercalerons une conférence le 11 décembre, où Gérard Lézère, que tout le monde connaît à peu près. Et donc, pas forcément. Pas forcément, non. Mais... C'est vrai qu'il ne vient pas fréquemment dans la vallée, donc comme c'est un ami, je profite de le faire venir ici. Quel est son rôle, en fait ? Pardon ? Quel est son rôle ? Eh bien, il va parler de la période de Noël. C'est-à-dire, comme c'est un conteur assez étonnant et assez sympathique, il va parler de l'ensemble de la période de Noël et des légendes qui sont liées. Et moi-même, j'interviendrai sur la partie historique de Saint-Nicolas. Pourquoi il y a tellement de Saint-Nicolas, de lieux de Saint-Nicolas dans le fond de la vallée ? Mmh. Et je ne vais pas dévoiler maintenant. Je vous invite à venir à la conférence, le 11 décembre à 19h dans la maison du Bailly, à Saint-Amarin. Je crois que durant tous ces événements du mois de décembre, il y a aussi un concert qui est programmé. Du coup, le 19 décembre à 18h. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce concert ? Avec plaisir, bien sûr. Alors là, à ce moment-là, on revient sur la partie commémoration de la Première Guerre mondiale, pardon, avec un concert international de cours des Alpes donné par des gens de Steinen en Allemagne. Hein, et des gens de Cornimont, donc dans des Hauts. Et à ce moment-là, on rappellera que, évidemment, beaucoup de gens, beaucoup de soldats sont morts, non seulement dans le coin, mais également, évidemment, dans toute la France. C'est quand même un concert assez original, parce que bon, on a l'habitude de voir des concerts, mais le cor des Alpes, c'est quand même pas l'instrument qui est le plus répandu ici localement. Et à mon avis, c'est quand même un concert à aller écouter, parce que je pense que c'est... Tout à fait. Bon, c'est assez innovant aussi. Voilà, le concert commence par l'orgue, parce que ça se passe dans l'église de Saint-Amarin, hein, attention. Ça commencera donc par une intervention de l'orgue avec Jean-Luc Lutringer et on aura aussi quelques flûtistes, quelques trompettistes. Et l'acoustique que nous avons essayé d'ailleurs à l'église est absolument remarquable, en particulier pour le cours des Alpes. Ce sera assez, je pense que c'est assez étonnant et spectaculaire. Donc décembre en mouvement, c'est ça ou voilà, en fait. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. Je veux juste préciser que pour ces deux choses, la conférence et le concert, les entrées sont gratuites. Okay. Nous ferons passer un panier et la totalité de la recette, non pas du bénéfice, la totalité de la recette sera reversée à des œuvres caritatives. Ah, probablement ben, en plus. Les Restos du Cœur et la Fondation Saint-Vincent-de-Paul, vraisemblablement. Comment va le musée en général ? Comment s'est passée cette saison touristique pour le musée ? Alors, le musée va très bien. Hein, il est géré, il est conduit par un groupe de bénévoles, hein, totalement bénévoles, sans aucune subvention d'ailleurs, hein, de l'extérieur, sauf le bâtiment que la ville de Saint-Amarin met à notre disposition.
et les bénévoles que nous sommes, on est une quinzaine, gèrent ce musée-là. Et nous avons eu la satisfaction cette année encore d'avoir énormément de monde jusqu'à présent. Je vois qu'il y a également un autre événement entre le 18 et le 20 décembre aussi, un événement assez, voilà. assez original avec la venue de chiens de traîneau. Est-ce que vous avez des précisions peut-être à nous apporter? Oui, alors là, donc on revient ici de nouveau aux commémorations de la Première Guerre mondiale, décidément. Vous savez que le 15 décembre 1915, les troupes françaises ont été renforcées sur la crête par des chiens d'Alaska. On a été achetés en Alaska. L'armée française a acheté 400 chiens en Alaska, les a amenés jusqu'au Pride First. Donc on aura cette commémoration-là avec la présence donc d'une dizaine d'attelages, ce qui représente plus d'une centaine de chiens. Il y aura une première opération le 18 à destination des écoles. Mm-hmm. On recevra des écoles. On a tourné un petit film, excusez-moi, de la concurrence. Mm-hmm. On a tourné un petit film qui tournera en boucle pendant les 3 jours, 18, 19 et 20. Il y aura un défilé de chiens avec les traîneaux pendant le marché de Noël de Saint-Amand le 19. Avec la présence des grognards d'Alkirch, avec la présence de gens qui sont habillés en poilus. Hein. Et évidemment, le souvenir français rassemble autour de ça tous les drapeaux du coin. Donc ce sera là aussi une manifestation tout à fait remarquable. Le souvenir français a créé une espèce de monument avec une tête de chien qui sera exposé au musée Serret pendant les 3 jours. Et... ce chien sera amené le dimanche matin, le 20, au Pride Fish, donc en traîneau avec des chiens. D'accord. Voilà. C'est un vaste programme. Hein. Et pour en savoir plus, est-ce qu'on vous retrouve sur Internet? Oui, nous avons un site Internet où on nous retrouve, bien sûr. Oui. L'ensemble du programme est annoncé. Et l'ensemble du programme est en voie d'être annoncé. D'accord. Merci Gilbert, on souhaite vraiment un bel élan positif à cette manifestation de décembre. Merci d'avoir suivi paysturlaire.tv et à tout de suite. Merci à vous. Bienvenue sur paysturlaire.tv, votre relais d'information de proximité.